L'état d'esprit positif, parce que je crois qu'on a bien vu au dernier scrutin, qu'il s'agisse des élections européennes ou municipales, qu'il y avait un vrai changement, qui est en fait un changement sociétal, avec une aspiration à avoir des élus qui portent très haut les couleurs de l'écologie, de la transition écologique. Et je crois que d'ailleurs, ça transcende, ça va bien au-delà des partis. C'est vraiment un changement sociétal et citoyen. J'ai l'espoir que ça puisse se traduire aussi par le fait d'avoir un sénateur écologiste dans le Bas-Rhin, la personne de Jacques Fernic, ce qui permettrait aussi d'avoir un groupe écologiste au Sénat, ce qui n'est pas un petit enjeu quand on voit les lois qui sont à débattre ces prochains mois et ces prochaines années. Vous souhaiteriez vraiment qu'un groupe se reforme ce soir au Sénat ? Il me paraît essentiel qu'un groupe écologiste puisse se former au Sénat. On a énormément d'enjeux devant nous, évidemment les lois de finances qui ne sont pas des petits enjeux vu les investissements massifs qu'on doit faire, notamment dans la transition écologique et sociale. Il y a aussi toute cette loi 3D autour de la décentralisation, déconcentration et différenciation. Et on en attend beaucoup, notamment dans nos territoires qui ont la particularité d'être des territoires transfrontaliers. Et d'une manière générale, nous les territoires, nous les métropoles, on est en première ligne pour répondre aux besoins sociaux qui explosent dans cette période de crise. Donc ce ne sont pas des petits enjeux.